Waouh! Mes frères et sœurs, bonjour et bienvenue encore sur Union Scribana. Et si l'on vous disait que la fête du Nouvel An n'était pas en janvier, et c'était plutôt en mars dans le passé, et que ça a été transféré dans le mois de janvier juste pour honorer un Dieu qui a deux visages, ou même qui a deux faces. Le croiriez-vous? Ah! Janvier. Le jour du 1er janvier est honoré par tout le monde. Et tout le monde voit ce jour-là comme le jour du Nouvel An. Ah, c'est joli! Les feux d'artifice! Ça va être chaud! Bonne année, mon frère! Joyeux année! Comment on dit là? Joyeux année! Bonne année, voilà, merci! Bonne année! C'est à ce moment que tout le monde m'a dit: beaucoup d'argent, moins de problèmes. Certains ne vont plus loin pour dire: beaucoup de femmes. Et on prépare à la maison et on s'amuse. Mais aujourd'hui, j'ai été curieux de chercher un peu et chercher à savoir, mais d'où vient cette fête du Nouvel An? Parce que quand j'analyse bien, je vois que il y a certains pays qui ne fêtent pas le Nouvel An comme nous. Eux, le Nouvel An chez eux, ce n'est pas le 1er janvier. C'est-à-dire, eux, le Nouvel An, là, c'est entre le 27 janvier, c'est-à-dire entre le 20 et le 1er février. C'est là, eux, ils fêtent le Nouvel An. C'est-à-dire, c'est là-bas où nous, on a fini d'écrire ici, là. Le 1er janvier ici, là, eux, ils crient là-bas. Wow! Dieu merci, on a été dans la nouvelle année! Dieu merci! Vous voyez? Et ils le font tout simplement parce que cette date qui est là-bas là, est en relation avec les dieux qu'ils doivent adorer, les dieux qui étaient démons. Ah! Et quand on fait des recherches et qu'on analyse bien l'expression, le mot janvier, on voit que le mot janvier, ou encore le nom janvier là, ça tire son origine également d'un dieu qui est bien évidemment un démon aussi. Et ce dieu-là s'appelle Janus. On n'a pas dit Anus, hein. Toi qui es avec tantôt des choses bizarres là. On dit Janus. Et ce dieu-là, il a deux visages. On dit, il y a un empereur romain, lui là. C'est un jour comme ça, il a décidé que le 1er janvier soit le jour de l'an. Juste pour fêter, juste pour adorer ce Dieu-là. C'est-à-dire quand les gens vont se mettre à fêter, s'amuser, c'est comme s'ils étaient en train d'adorer en même temps ce Dieu-là. C'est le Dieu Janus. Ah! Donc quand je me lève le 1er janvier, puis je dis: wow, c'était extraordinaire, c'était dans la nouvelle année. Automatiquement, je souhaite de nouveau ce gars-là. Vraiment, ça m'étonne. Ça m'étonne même. Ça m'étonne. Moi-même, je suis plus surpris que surpris. Qu'en pensez-vous, mes frères et sœurs? Qu'en pensez-vous? Janvier. Chaque 1er janvier, déjà même à l'église, les gens crient: wow! Je suis entré dans le 1er janvier. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que la gloire soit rendue à Jésus-Christ, que la gloire soit rendue au Dieu Tout-Puissant. Or, le 1er janvier, selon les informations que nous venons de recevoir, là, c'est un jour réservé à une autre personne que le vrai Dieu. Mais que devons-nous faire? Si ce jour-là, où on souhaitait la bonne année aux gens, là, c'est ce qu'il faut. C'est-à-dire, ce n'est plus le jour qu'il faut choisir. Qu'est-ce que nous, on doit faire? Il y a même certains collègues qui ont pris la parole immédiatement pour dire: ne me souhaitez pas joyeux Noël! Et putain, Noël est déjà passé. Ne me souhaitez pas bonne année! Ne me souhaitez pas bonne année! Il y a plein de personnes même qui ne m'aiment pas, ils me voient comme c'est le jour de l'an, même ils me saluent.
bonne année. Et ils ont raison. Et les gens là, ils vous détestent. Même le 1er janvier là, où on dit bonne année là, c'est là même les sorciers profitent pour attaquer les gens. C'est-à-dire, il vient de dire bonne année, et puis tu regardes les yeux comme ça pour voir comment il va faire pour t'attaquer. De son côté, là-bas, il a dit maudit année pour toi. Mais toi, tu penses que c'est réel. Et les gens disent les meilleurs vœux, toutes ces histoires. Ah, mais frère, c'est que devons-nous faire? Notre collègue a dit non, ne me souhaitez pas bonne année. Mon frère, ma soeur, maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Quand la nouvelle année va venir, qu'est-ce que tu vas faire? Réagis dans la partie commentaire. Parce que moi, quand j'ai découvert ces informations, même là maintenant où je souhaite vous parler, là, je suis vraiment étonné. Je suis étonné. Janvier est égal à Janus, qui est un dieu ou encore un démon. Et c'est un empereur romain qui a demandé à ce que chaque 1er janvier, en fait, et ce démon-là, ou encore ce dieu-là, il a deux visages tout simplement parce que le visage qui se trouve derrière là, ça symbolise décembre. C'est-à-dire le mois qui passe, ou encore l'année qui passe, et l'année à venir qui est janvier même. Et lui, il est la porte. Il est le nouvel an en même temps. C'est comme si ce n'est pas lui que tout commence. Et ce Romain a décidé de l'honorer en lui dédiant juste le jour du 1er janvier. Cherchez sur Internet. Allez voir Janus, c'est qui ce gars-là même. Et venez sur cette vidéo de la partie commentaire là pour nous en dire plus. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est comment vous allez réagir ce jour-là, le 1er janvier. Mes frères et sœurs, c'est là que nous devons vraiment avoir la sagesse et l'intelligence de Dieu. Que Dieu nous donne sa sagesse et son intelligence. Nous sommes deux, Dieu nous donne la sagesse et son intelligence vraiment, mes frères et sœurs. Toi, tu as découvert aujourd'hui que normalement, tu ne dois pas fêter le jour du nouvel an. Vraiment, ça va te choquer. Moi, je suis plus choqué que toi. On dit que si tu fêtes ce jour du nouvel an, tu as été de nourrir un démon qui s'appelle même Janus, qui est un dieu que les gens adoraient. Et ce jour du nouvel an a été institué par un roi qui était païen, qui n'était même pas chrétien. On suppose que c'est une fête païenne, exactement comme la fête de Noël. Ça veut dire que ces deux fêtes de fin d'année, la même là, sont déjà intoxiquées. C'est comme si on disait que le diable prépare les gens à entrer dans la nouvelle année dans les problèmes. Et tous les joyeux, les bonnes années, les meilleurs vœux, tout ce que les gens disent là, c'est vain. Parce que tout ça, ça monte vers le diable là-bas. Et le diable, il rit. Et tu es là, tu te poses la question de savoir, mais ah, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire à qui que ce soit? Comment? Bon, moi, ce que moi, je vais te dire, mon frère. Toi, mais tu peux réfléchir, hein? Discutons, causons. Donnons-nous de bons conseils. Nous sommes là pour échanger de bonnes idées. Bien. Le jour, le 30e va arriver là. Forcément, tu vas entendre du bruit autour de toi. Il y a des gens qui vont se mettre à faire du bruit. Ils vont se mettre à créer de joie. Bon. C'est bien. On passe d'une année à une autre. C'est aussi quelque chose d'important de passer d'une année à une autre. On passe d'une année à une autre. Moi, franchement, pour moi, c'est quelque chose aussi d'important qu'on ne peut pas laisser passer. Même dans les entreprises, là, on fait le bilan de l'année à la fin de l'année et en janvier, tout commence. C'est comme si tout reprenait et ça reprend son cours en janvier, le 1er janvier. Là, les choses commencent à devenir sérieuses. Donc, moi, je pense que si la nouvelle année arrive et que toi, tu as pu rentrer dans la nouvelle année aussi, c'est pas mauvais de dire merci Seigneur parce que tu as traversé
beaucoup de difficultés, mais malgré ça, je suis arrivé en 2019. Ou bien, c'est comme si tu disais vraiment, une période est passée, une autre période. C'est comme dans la parole de Dieu, on nous dit, cette année d'abondance et puis cette année de famine, là, au temps de Joseph et du roi et du pharaon. On suppose que quand les 7 années là sont terminées, là, ils ont commencé à tous à taper la tête. Quand les 7 abonnés d'abondance sont passés, ils ont tous commencé à taper la tête. Mais heureusement, ils ont bien la parole de Dieu, ils ont regardé un peu dessous ou quelque chose en réserve. Ha, vous avez vu, ça veut dire que quand les années passent quand même là, c'est significatif. Donc on doit prendre ça en sérieux. Maintenant si toi tu dois juste aller t'amuser parce que tout le monde fête, donc tu vas te dire que tu as... Ça dit toi, tu vas prendre ce jour en otage et puis tu as dit, à cause... Ça dit aujourd'hui, je prends le maquis en otage parce que c'est le 1er janvier. faut pas faire ça. Faut être sage. Il faut être sage et intelligent. Si tu as conçu, tu as tout dans la nouvelle année aussi, c'est bien. Tu dis merci Seigneur. Maintenant, toi, comme on sait que les joyeuses années, les bonnes années qu'on se fait là, on sait que cette expression-là même là, c'est une expression qui est là juste pour nourrir ce Dieu-là aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu seras là tranquille dans ton coin. Et puis tu as dit, Seigneur mon Dieu, merci de ce que nous sommes dans la nouvelle année. Que cette année soit comme ce soit une année de grâce. Comme toi-même tu l'as dit. Dans la parole de Dieu, on dit quoi? On dit que le Seigneur de Christ est venu pour nous offrir une année de grâce. Il n'a pas dit j'avais fait, oui. Il n'a pas dit 2019, 2018, 2000, il n'a pas dit 2019. C'est une année de comme ceci. 2000, je ne sais pas. Mais chaque année, quand même à sa couleur, hein. Mine de rien, chaque année à sa couleur, mais tout est inspiré par le Saint-Esprit. Mais ce que nous devons savoir, c'est que nous sommes dans une année de grâce d'abord, ça c'est la base. Donc s'il y a un bon souhait que tu dois donner à quelqu'un là, pour lui dire meilleur vœu, c'est la même chose que Dieu a donné, que le Seigneur Jésus a donné. Tu as dit que cette année soit une année de prospérité et de grâce pour toi mon frère. Ou bien tu as dit tout simplement hein, que la grâce de Dieu t'accompagne. Ou bien que la grâce et la faveur de Dieu soient avec toi cette année. Sinon, les meilleurs vœux, souhaitez-moi meilleurs vœux, toutes ces histoires. Mon frère, si tu veux me donner, si tu veux me bénir, il faut me bénir. Il ne faut pas attendre le jour J là. Tu vas me dire meilleurs vœux. Meilleurs vœux, pourquoi? Moi, quand je regarde la situation, je vois que c'est pas cool même. C'est la meilleure vue. Ils sont là, ils se détestent à la famille. Mais quand ces gens-là, meilleure vue, dès que c'est fini, là, ils viennent encore, ils se détestent encore. Il faut les voir, dès que c'est regardé comme ça. Celui-là, c'est fou. Donc, mon frère, et puis si tu marches dans la rue, si tu marches comme ça dans la ville, et tu vois des gens qui te disent meilleure vue, tu dis merci. Tu dis tout simplement merci. Parce que si tu dis. Bon, pour ne pas... On te dit, toi par exemple, tu pars dans la rue. Et parce qu'on t'a dit que les meilleurs vœux, tout ça, c'est des choses bizarres. Ce sont les démons même qui reçoivent même la gloire. Quand on dit meilleurs vœux, toi si on te dit meilleurs vœux, tu es là, quand tu fermes ta bouche et puis tu es là. On te dit meilleurs vœux. C'est comme voir ça, comme si on te disait bonjour. On dit meilleurs vœux, tu dis merci. Mais bon, toi, tu fais comme si tu n'es pas... C'est-à-dire, si, comme tu fais comme si ça ne t'intéresse pas. Parce que l'autre pays dont nous venons de vous parler, eux, ils fêtent leur 1er janvier, là, leur fête de nouvel an, le 25 et le 1er février. Là. Ah! Eux, là, quand les gens ici sont en train de dire, sont en train de crier... Ils allument même des bougies, des feux d'artifice. Eux sont tranquilles là-bas. Comment ils font? Ils sont tranquilles. Mais si tu es dans un autre pays et tu vas avoir un message de meilleur, on te dit quoi? Merci, parce qu'ils ne peuvent pas te dire. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont dans une autre dimension. Ils sont dans un autre... C'est comme s'ils étaient dans un autre monde. Et Dieu nous dit quoi? Dieu nous dit que nous appartenons au monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Donc, nous ne devons pas faire comme tout le monde.
Donc, si toi, tu vois que les gens fêtent, te disent meilleurs vœux là, tu dis merci. Faut pas les décevoir, faut pas répondre de façon méchante. Faut pas répondre méchamment. Tu dis juste merci. Et si tu peux les expliquer pourquoi tu n'es pas dans la liste des meilleurs vœux, tu peux le faire. Mais faut pas les insulter. Les gens qui sont des chrétiens trop zélés, eux, ils vont entendre ça. Quand on dit, il ne faut pas avoir des meilleurs vœux parce qu'il y a un démon qui est derrière la voix, c'est le même. On dit, il ne faut pas dire meilleurs vœux. Si tu m'as dit meilleurs vœux, tu vas voir ce que tu vas voir. Parce qu'il n'y a pas qu'un démon qui visite la nuit. Mes frères et sœurs, que Dieu nous donne vraiment la sagesse. Franchement, l'année 2019 arrive. Nous sommes aujourd'hui le 29. Si je ne me trompe pas, si c'est vraiment ça, j'ai appelé ma montre. Mais ne vous inquiétez pas. En dessous de cette vidéo, vous pouvez vous abonner, cliquez sur la cloche et puis cliquez sur j'aime. Si vous regardez en dessous, si c'est vraiment le 29, dites-le moi. Mais franchement, que Dieu nous guide. Dites-moi comment vous allez fêter cette nouvelle année. En tout cas, moi pour moi, une année passée, une nouvelle année qui arrive, c'est comme si on disait que tu as bien travaillé hier, mais tu dois faire mieux aujourd'hui. Dans cette nouvelle année qui vient d'arriver là, il faut considérer cette année-là comme une année où tu vas, où tu dois faire mieux. Tu dois travailler. Si tu as eu tellement d'échecs en 2018 et que les choses ont mal tourné pour toi, il faudrait que dans l'année 2019, les choses commencent bien pour toi. Il faut que l'année commence bien, ça se termine bien. Ah, ou bien, mes frères et sœurs. Oui, ça, ce n'est même pas l'histoire, mais de meilleurs vœux, mais de nouvelles, de janvier, là, c'est pour un jour seulement, ça va passer. Si tu me vois le 5 et puis tu me dis, meilleurs vœux, là, il te dit que mon frère, tu me cherches. Mais c'est la vérité, mes frères et sœurs. Ah! C'est qu'elle a fait des meilleurs vœux, ça continue jusqu'au 25, jusqu'à mars. Ils ont meilleurs vœux, c'est quoi ça? Mon frère, ça commence à me faire bizarre. Mais notre collègue youtubeur, il a été sérieux, lui a dit directement. Mes frères et sœurs, vous êtes jolis. Mais le 1er janvier, ne me souhaitez pas meilleurs vœux. Parce que ce jour-là a été confié ou encore a été réservé. Un démon qu'on appelle Janus. C'est pas Anus, on dit Janus. Voilà. Moi, franchement, à cause de ça, je ne souhaite pas les meilleurs vœux. Il ne veut pas même pas vous souhaiter les meilleurs vœux. Vraiment, quand on parle de ce sujet, mais moi-même, je suis un peu choqué parce que le jour de l'an, on mange du vrai poulet. Comment maman tu le dis? Mais nous devons obéir à Dieu quand même, hein. Si tu veux manger du poulet le 1er janvier là, tu veux te mettre bien, tu veux bien manger là. Faut te mettre bien, hein? Faut bien manger si tu veux, mais faut faire ce que tu veux. Si tu veux jeûner aussi, il faut jeûner. Soit ce jour-là aussi comme un autre jour. Mais, comme c'est le passage de l'année passée à une nouvelle année, je pense qu'il est quand même bien d'observer un moment de réflexion. Tu t'assois et tu réfléchis sur comment tu vas te préparer même pour entrer, pour faire de bonnes choses même cette année. Sur l'année 2018 là, tu mentais beaucoup. Mais enfin, mon souhait pour toi, ne mens plus. Ça peut souhaiter les meilleurs vœux aux gens, comme ça même là pour dire. Mais il y a le gars qui vient te voir et te dit, meilleurs vœux mon frère, mon souhait pour toi, que toi, mais tu arrêtes de chercher femme, tu cherches trop femme. Ce serait bien, hein? Ou bien, dis genre, toi là, mais tu pêches trop. Hein? Cette année 2019, faut plus pêcher, faut arrêter de pêcher. Que Dieu te pardonne. Le jour de si les gens font ça, là, le jour de là, ça ne sera plus la fin, ça sera pas là. Parce que les gens ont dit la vérité aux gens. Mon frère et soeur, vous devez vous asseoir même et choisir, c'est-à-dire faire le bon choix. Ah, tiens, mes frères et sœurs, meilleurs vœux à tous. Meilleurs vœux. Bonne année. On dit quoi même là?
prospérité. Bon, comment j'analyse la situation, regardons un peu. Quand c'est le jour de l'an, là, et qu'on dit, meuf, je te souhaite prospérité, c'est là même là, tu sens que c'est chaud. On est dit, beaucoup d'argent, c'est là même tu sens que l'argent même là, ça commence à faire bizarre. C'est comme si c'était le contraire qui t'arrivait. Ah! Donc moi, ce que moi, je peux faire là, c'est que Dieu lui-même me dit ce qu'il a envie de me dire là. Dieu dit que l'année de toutes les années seront dans l'année de grâce, non? C'est que moi, je suppose que Dieu ou Abouli, mon frère et soeur. Et comme on dit chez nous, on dit Abouli. Bon, vous ne comprenez pas, vous êtes. Donc, mes frères et soeurs, que Dieu lui-même bénisse l'année 2019 là. Pour que l'année 2019 ne soit pas une année de sécheresse dans nos vies. Ça soit plutôt une année de prospérité, quoi. Où on ne peut pas s'en passer, quoi. On ne peut pas s'arrêter là tranquille pour dire, ah, vraiment, moi ce que je souhaite, ce que moi je veux vraiment là, c'est que toutes les années se ressemblent. Quand il dit se ressemble, c'est pas que ce soit une mauvaise année, si c'est bon, c'est bon, c'est bon, tu vas dire qu'il faudrait que vraiment que ça se ressemble. Là, Dieu dit que ce serait l'année de grâce. C'est-à-dire que quand Dieu dit que ce serait l'année de grâce, c'est-à-dire qu'il y aura du pain, il y aura du poisson. Oui. Ce sera aussi des années où tu vas te demander pardon à Dieu. Mais ce que tu dois savoir aussi là, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Même si on veut te souhaiter les meilleurs vœux, les vœux les plus meilleurs de la planète, il faut travailler Dieu. Et il faut obéir à ce que Dieu te dit. Il faut obéir à la parole de Dieu. Écoute ce que Dieu te dit. Marche selon la parole et la recommandation de Dieu. Et tu mangeras beaucoup de poissons. Même si tu veux, en janvier, tu seras content. Tu seras contente. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on va te souhaiter meilleurs vœux que ça va marcher. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu vas souhaiter meilleurs vœux aux gens que eux vont se mettre tout de suite à briller. Ça veut dire qu'il faut toujours demeurer sur la voie du Seigneur. Toujours. Il faut faire bien plus que ce que tu as fait en 2018. Cette nouvelle année, il faut travailler beaucoup. Et nous allons bosser. Et fixe-toi de beaux objectifs. Et c'est aujourd'hui là que tu dois t'asseoir même. Et puis il faut réfléchir même. Aujourd'hui est samedi. Ah, c'est samedi. Les gens sont se préparer même à aller acheter des vêtements même pour faire la fête là. Est-ce que moi-même, je pense même à ce que j'ai fait même à Dieu même, pour Dieu même en 2018 là même. Ah, j'ai passé tout mon temps à chercher femme, chercher les garçons, tout ça. Il faut que j'arrête un peu ça, il faut que je grandisse. Ah, et il y a une chose qui est sûre, c'est que je gagne une année supplémentaire, un an de plus. C'est pas mauvais. Vous voyez pourquoi on vous dit que passer d'une année à une autre, c'est pas aussi mauvais. Hein? Ça va prendre en considération. Tu gagnes un an de plus. Et ça, c'est extraordinaire. Préparez-vous à des vidéos qui vont venir. Si un gars vous a dit ne me souhaitez pas bonne année, ne lui souhaitez pas bonne année. Mais priez pour lui pour que Dieu veille sur lui. Moi, je préfère que tu pries pour moi au lieu que tu me dises bonne année. Maintenant, est-ce que je souhaite que vous m'envoyez des messages pour me dire bonne année? Mon frère, si tu me dis bonne année là, il ne faut pas attendre pour le 1er janvier. Réagis dans la partie commentaire. Il faut tout simplement me dire que l'année 2019 soit une année de grâce. Comme d'habitude. Pourquoi on dit comme d'habitude? Parce que c'est ce que Jésus a dit, non? Il dit, c'est venu pour programmer l'année de grâce. Ceux qui sont pauvres, vous allez rire. Ceux qui sont riches, vous allez pleurer. Bon, il n'a pas dit ça. Mais vraiment, Dieu est venu pour nous, ceux qui sont pauvres. Nous qui sommes pauvres, mais chaque année sera une année de bonheur pour nous. Je suppose que ça doit nous donner de la joie, mais aussi faites attention. Faites attention. Quand on rentre une nouvelle année comme ça, là, si vous pensez que le monde est ténèbre, eux stoppent leur processus, eux ne sortent pas. Ce n'est pas à cause de la nouvelle année. Ils vont dire, bon, comme on dit c'est la nouvelle année, on va laisser les gens s'amuser. Vous fêtez bien. Eux continuent le combat. Si ça a commencé le 1er décembre, ça va continuer. Ça continue seulement.
jusqu'à même le mois même de janvier va passer. Février va s'écouler. Ça veut dire quoi? Si tu cours parce que les démons te poursuivent, toi, faut pas t'arrêter en janvier pour dire « Ah, c'est le jour de l'an, je vais m'arrêter pour m'amuser, pour fêter. » Oh, les démons sont derrière toi, t'es poursuivre. Tu dois toujours continuer à courir, mes frères et sœurs. Vous devez toujours continuer à courir et demeurer dans le Seigneur. C'est ça le plus important. Même en janvier, on enterre les gens. Vous n'êtes pas informé. Donc, c'est pas pour vous, c'est pas pour transformer le jour de l'an, c'est-à-dire le 1er janvier, en quelque chose de catastrophique. Mais nous sommes juste là pour vous dire, mes frères et sœurs, que si vous voulez vraiment fêter le jour de l'an, c'est bien. Mais sachez premièrement d'où ça vient, où ça a commencé, comment ça s'est fait. Et sachez également qu'il y a un Dieu qui a honoré ce jour de l'an et que le mois de janvier même, si sur l'origine, ou encore le mois de janvier, le nom janvier là, vraiment vient d'un nom, ou encore c'est le résultat d'un nom, c'est tiré d'un nom qu'on appelle Janus, qui est un dieu qui a deux faces. Si vous avez regardé l'image de la traduction de la miniature, sans doute vous le savez. Franchement, prenez soin de vous, mes frères et sœurs. Et surtout, cherchons maintenant à savoir pourquoi on fête. Pourquoi on fête? Pourquoi il y a les fêtes? Pourquoi dans chaque année il y a telle fête, les fêtes comme ceci, les fêtes comme cela? Il y a même des fêtes sataniques. Oui. Et nous, les chrétiens, on a ramassé toutes ces fêtes pour les avoir à l'église. On se dit que c'est normal, tout le monde les fait depuis des années. Aujourd'hui, là, toi, réveille-toi et fais des recherches pour découvrir ce qui se passe concrètement pour ne pas adorer le diable. Vous voyez, c'est tout simplement pour ne pas adorer le diable que nous faisons tout ce qu'il est possible pour parvenir à la connaissance. Ok, si tu as été impressionné par cette vidéo, réagis dans la partie commentaire, dis-nous tout simplement comment tu vas te comporter ce jour-là. Si tu n'es pas abonné, clique sur abonner maintenant, clique sur la cloche pour activer, clique sur j'aime et prépare-toi pour la prochaine vidéo. Si on se voit, nous en parlerons dans la prochaine vidéo. Même en janvier, le 1er janvier, bon, qui sait, de bonnes choses arrivent, ça va être chaud.